Oui, aujourd'hui on va parler de notre ami Momo, le soi-disant personne qui, tout simplement, est un démon. Un démon qu'on peut contacter sur WhatsApp. Personnellement, j'en ai tellement rien à foutre de ce démon, faut pas l'emmerder, c'est tout, c'est une merde, je sais même pas un vrai démon. Il crèvera tout seul dans sa merde. Voilà. Donc il faut arrêter d'emmerder ces petits Momo de merde, de toute façon, vous êtes juste en train de le nourrir, tu as un challenge avec lui. Et non, Momo n'a jamais fait de victime, hein. Il n'y a jamais eu de suicide ou quoi, hein. C'est encore... C'est une creepypasta. Une creepypasta, c'est une légende d'internet. Je dois vraiment être con pour vous raconter. Ou alors c'est parce que c'est la nouvelle génération qui arrive sur internet. Non mais sérieusement, il y a une blague là. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Les gens disent ah non mais Momo c'est vrai hein. Momo fait suicider des gens et tout. Il y avait deux victimes il paraît. Ouais. C'est pas vrai. C'est des gros mythos, c'est juste que les gens ils sont contents de savoir qu'il y a un nouveau truc et le créateur de Momo, bah, ça va être un hacker en fait. Ou alors un mec qui utilise Shodan. Oui, Shodan c'est un site qui existe et Shodan c'est un site qui permet tout simplement de avoir les caméras de tout le monde. Même les caméras de vos téléphones, hein, en tapant admin, password et tout. Donc ça se peut qu'il utilise cette technique. Ou alors numéro 2. Tous les vidéos Momo sont truquées et un deuxième téléphone est mis en place pour que le numéro soit encore valide. Donc voilà, donc on s'en bat les couilles de Momo, sérieusement. Sérieusement. Et comme par hasard, le démon il est sur WhatsApp. Pas sur d'autres applications, hein. non, uniquement WhatsApp. Ou alors les gens qui s'amusent à créer des comptes fake, hein. Ça évidemment c'est possible de créer des comptes fake. Et bon, hein, les gens ils ont tellement de mentalité stupide qu'ils veulent prendre sur n'importe quoi. Hein. Entre les mecs qui s'appellent Momo, il faut pas déconner. Il faut vraiment pas déconner sur ce genre de conneries, hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Et les gens ils y croient dur comme fer, hein. Ils sont en mode ah non mais c'est vrai Momo. Hein. C'est faux, c'est totalement faux Momo. Vraiment Momo c'est plus que du fake, hein. Momo c'est tellement du fake que... Qui s'est cramé à des centaines de kilomètres, surtout qu'il y en a plein qui essayent de le faire passer pour le vrai Momo. D'autres qui se disent ouais, mais moi chez moi il y a une lumière et tout, etc. qui s'est éteint. Moi il s'est éteint, etc. Ma chaise elle a bougé. Attends, vous foutez de notre gueule en fait. C'est ce que vous essayez de me faire apprendre. C'est genre, je me fous de votre gueule littéralement et personne ne le sait. Surtout que c'est du foutage de gueule, faut clairement pas avoir inventé l'eau chaude pour savoir ça. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre Momo sur une app? Surtout que c'est dans les tendances, hein, ça a beaucoup de vues. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce gars? Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette fille, cette gars qui va sur une œuvre d'art? C'est comme il y a très longtemps, SCP-173. Hein. Mais ouais, quoi, on est sur le même thème. C'est que je veux dire, ça reste faux, Momo reste faux, tout reste faux. C'est dingue comment savoir que les gens ils sont cons sur internet et qu'ils arrivent à croire encore à ce genre de personnes qu'ils essayent d'emboîter tous ceux qui font ça, de les enculer profondément. Hein. Genre dire, t'as vu, internet c'est le bordel. Hein. Non, il y en a même carrément face qui font ça pour se persuader qu'internet ça doit être fini quoi. Mais dis-moi, ouais, sérieusement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, c'était un petit message pour Momo parce que Momo c'est vraiment du foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Les gens ils croient vraiment dur comme fer, mais c'est du gros fake.